Bonjour mes élèves, أهلا ومرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في درس جديد حول مراجعة لمادة اللغة الفرنسية بما يخص المحاورات التي تأتي أسئلتها وسنوضح الآن طلبتنا الأعزاء هذه الحوارات. نأتي الآن حول شخصية مسيو دوبوي. شخصية مسيو دوبوي مثل ما تعرفون في المراحل السابقة اللي هي مرحلة الثاني أنه بدأت قصة مسيو دوبوي وحول اختفائه ولم يخبر أحدا باختفائه ومن ثم ذهب إلى مدينة بييرني وبدأت المحققة أني داغون بالتحقيق حول اختفاء السيد دوبوي. نأتي الآن إلى قراءة حول الحوار. نبدأ الآن. Pendant ce temps, chez un médecin dans un village de Pierny, vous avez encore mal à la tête. Non, docteur, c'est fini. Vous n'êtes plus fatigué. Non, ça va, mais je ne dors pas très bien. Bon, je vous donne un médicament pour dormir et je vous demande de faire une heure de sport tous les jours. Vous allez très bien. Maintenant, retournez vite à Lyon. Vos amis sont inquiets. Vous leur avez écrit, vous leur avez téléphoné. Non, je veux leur faire une surprise. نعيد قراءتها مرة أخرى. Pendant ce temps, chez un médecin dans un village de Pyrénées, vous avez encore mal à la tête. Non, docteur, c'est fini. Vous n'êtes plus fatigué. Non, ça va, mais je ne dors pas très bien. Bon, je veux donc un médicament pour dormir et je veux demande de faire une heure de sport. Tous les jours, vous allez très bien. Maintenant, retournez vite à Lyon. Vos amis sont inquiets. Vous leur avez écrit, vous leur avez téléphoné. Non, je veux leur faire une surprise. نعيد قراءتها مرة أخرى. Pendant ce temps, chez un médecin, dans un village des Pyrénées, vous avez encore mal à la tête. Non, docteur, c'est fini. Vous n'êtes plus fatigué. Non, ça va, mais je ne dors pas très bien. Bon, je veux donc un médicament pour dormir et je veux demande de faire une heure de sport. Tous les jours, vous allez très bien. Maintenant, retournez vite à Lyon. Vos amis sont inquiets. Vous leur avez écrit.
vous leur avez téléphoné? Non, je veux leur faire une surprise. طلبتنا الأعزاء نأخذ فكرة بسيطة باللغة العربية حول هذا الحوار. كما نلاحظ pendant ce temps يعني خلال هذه الفترة أو خلال ذلك الوقت chez un médecin عند الطبيب dans un village des Pyrénées في القرية لمدينة بيرني. Le médecin, monsieur Dupuis, ذهب إلى الطبيب لزيارة الطبيب حول لديه ألم معين في رأسه فبدأ الطبيب بإعطائه الدواء فرح يبدأ الحوار Le médecin, vous avez encore mal à la tête. Vous avez encore mal à la tête. لديك المزيد أو هل تعاني من ألم في الرأس؟ فمسيو دوبوي فجاوب يقول له نو دكتور سي فيني ما يعانيه من ألم في الرأس انتهى سي فيني. سأله الطبيب فو نيت بلو فاتيغي هل أنت متعب؟ يجيب السيد دوبوي نو سافا كلا جيد مي لكن je ne dors pas très bien. Je ne dors pas très bien. لا أنام بصورة جيدة. فبدأ الطبيب bon, je veux donc. Bon, je veux donc. هذا جيد. Je veux donc سأعطيك un médicament اللي هو الدواء pour dormir, dit pour dormir. Et je veux demander de faire une heure de sport. هذه الجملة بمعنى أطلب منك أن تمارس الرياضة. Tous les jours, يعني كل الأيام. Vous allez très bien, ستكون بصحة جيدة. أما هذه العبارة متنو بمعنى الآن retournez vite عد أو ارجع إلى ليون vos amis sont inquiets أصدقائك سيقلقون عليك vous leur avez écrit هل كتبت لهم vous leur avez téléphoné هل اتصلت بهم؟ فيجيب السيد دوبوي نو je veux leur faire une surprise كلا أريد أن أعمل لهم مفاجأة والآن نأتي إلى المفردات لهذا الحوار encore بمعنى المزيد Le contraire de encore, ne, le, laisse illa. Wa ladaina aydan, être, mustalah, être, oui, bien, être fatigué. مصطلح être fatigué بمعنى متعب ولدينا أيضا الفعل dormir بمعنى ينام هنا نلاحظ الفعل dormir وهنا مصرف مع ضمير الجو ولدينا هنا الفعل dormir بمعنى ينام وأيضا لدينا مفردة maintenant بمعنى الآن ولدينا أيضا مفردة inquiet بمعنى قلق من الفعل
médecin qui était بمعنى يقلق. ولدينا أيضا مفردة une surprise بمعنى مفاجأة. والآن نأتي إلى إعادة قراءة أو ما قلناه حول هذا الحوار بصورة سريعة. Pendant ce temps, كما قلنا خلال ذلك الوقت, chez un médecin, عند طبيب, dans un village des Pyrénées, في قرية بيرني, vous avez encore mal à la tête, non docteur, c'est fini. Vous n'êtes plus fatigué, non, ça va, mais je ne dors pas très bien. Bon, je veux donc un médicament pour dormir et je vous demande de faire une heure de sport. Tous les jours, vous allez très bien. Maintenant, retournez vite à Lyon. Vos amis sont inquiets. Vous leur avez écrit, vous leur avez téléphoné. Non, je veux leur faire une surprise. والآن نأتي حول أسئلة هذا الحوار. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو إلى أين ذهب السيد دوبوي ولماذا؟ Où va Monsieur Dupuy et pourquoi? Il va dans un village des Pyrénées. Pourquoi il va dans un village des Pyrénées? Pourquoi Monsieur Dupuy va? Oui, d'accord. Pourquoi? Monsieur Dupuy va dans un village des Pierres. Pourquoi M. Dupuy va-t-il dans un village des Pyrénées? هو لماذا السيد دوبوي ذهب إلى مدينة بيرني. نقول il va dans un village dans. Pourquoi monsieur Dupuy va-t-il dans un village des Pyrénées? لماذا السيد دوبوي ذهب إلى مدينة بيرني؟ نجيب حول هذا السؤال أنه monsieur Dupuy va dans un village des Pyrénées. Monsieur Dupuy va dans un village des Pyrénées. Chez un médecin. ذهب إلى مدينة بيرني pour voir un médecin. Oui. Pourquoi il va voir un médecin? لماذا ذهب لرؤية طبيب؟ Parce qu'il a mal à la tête. Et il ne dort pas très bien. السؤال الذي بعده هو qu'est-ce que le médecin donne à Monsieur Dupuy? Oui.
qu'est-ce que... Attendez, attendez. Qu'est-ce que le médecin dans... Qu'est-ce que le médecin dans a, monsieur Dupuis? Qu'est-ce que le médecin dans a, monsieur Dupuis? Mada a'ta al-tabib ila al-sayyid Dupuis? Il lui dans un médicament. Médicament pour dormir. D'accord. Qu'est-ce que le médecin donne à monsieur Dupuis? Il lui donne, lui, le médecin, il lui donne un médicament pour dormir. Il lui donne un médicament pour dormir. Qu'est-ce que le médecin demande à monsieur Dupuis de faire? Le médecin demande à monsieur Dupuis de faire? Il lui demande de faire de faire une heure de sport tous les jours. طلب منه أن يمارس الرياضة tous les jours, كل الأيام. Pourquoi? Oui. On a activé la question sur le dialogue. Pourquoi il lui donne un médicament? Il lui donne un médicament pour dormir. Ou, نستطيع أن نقول pour il ne dort pas très bien. أيضا نقول pourquoi monsieur Dupuis n'a pas écrit à ses amis. عندما ذهب السيد Dupuis لرؤية الطبيب فلذلك السيد دوبوي لم يعطي عنوانه إلى الأصدقاء فالسؤال يقول أنه pourquoi monsieur Dupuis n'a pas écrit à ses amis parce que monsieur Dupuis il lui faire leur faire une surprise. Monsieur Dupuis n'a pas écrit à ses amis. لماذا لم يكتب لأصدقائه؟ Il n'écrit pas. يجب أن نذكر السبب. Il n'écrit pas à ses amis parce qu'il leur fait une surprise. Oui, d'accord, je sais. Faire une surprise
parce qu'il veut, parce qu'il leur veut faire une surprise. Pourquoi monsieur Dupuis n'a pas écrit à ses amis? Il n'écrit pas à ses amis parce qu'il leur veut faire une surprise. Oui, je sais. نعيد قراءة الحوار والأسئلة حول هذا الحوار وحول ما يأتي في أسئلة الوزاري. Pendant ce temps, chez un médecin, dans un village des Pyrénées, vous avez encore mal à la tête. Non, docteur, c'est fini. Vous n'êtes plus fatigué. Non, ça va, mais je ne dors pas très bien. Bon, je veux donc un médicament pour dormir et je vous demande de faire une heure de sport tous les jours. Vous allez très bien. Maintenant, retournez vite à Lyon. Vos amis sont inquiets. Vous leur avez écrit, vous leur avez téléphoné. Non, je veux leur faire une surprise. Le résumé de ce dialogue, c'est monsieur Dupuis va au médecin ou va chez le médecin parce qu'il a mal à la tête, mais il ne dort pas très bien. C'est le médecin lui demande de faire une heure de sport tous les jours et il lui donne aussi un médicament pour dormir. Et le médecin demande de M. Dupuis pourquoi il n'écrit pas la lettre à ses amis. Il écrit à ses amis parce qu'il veut leur faire une surprise. هذا ما شرحنا حول هذا الحوار ما يخص الأسئلة الوزاري. معكم نكمل الدرس في الساعة الثالثة. نلتقيكم لاحقاً.